Bonjour tout le monde, je vous emmène aujourd'hui sur la base de loisirs de Vingles et son terri. Et en contrebas, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'il y a un étang qui est artificiel, qui forcément est secondaire à l'exploitation minière qu'il y a dans le coin, mais qui apporte une petite touche de fraîcheur sur le parc de loisirs, sur la base de loisirs. Et donc je vais vous emmener visiter ce parc qui monte pas très haut pour un terri, mais qui sait quand même se faire sentir. Alors le parc se décompose en trois zones. Une un peu plus technique avec justement toutes ces petites montées que j'appelle la butte. Une deuxième qui assez plate, même très plate, qui va jusque qui longe la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée. J'appelle donc la voie ferrée. Et enfin une troisième zone qui est une zone intermédiaire avec uniquement, enfin quasiment uniquement des petits chemins que j'appelle la zone des singles. Le but de la balade d'aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir ces trois zones et de vous donner envie de venir. Les parcours sont balisés. Alors pour du VTT, donc ça fait un premier bon point de repère quand on veut découvrir le site avant de commencer à prendre ses aises et d'y aller à l'instinct. Ben, je vous souhaite une belle balade. Du terrain de motocross qui n'est pas accessible, en tout cas de manière officielle, l'ensemble de l'année. Il est le jour de la course de la pyramidale. Yeah.
la balade vous a plu. C'était donc la base de loisirs de Vingles. On peut y aller en courant, on peut faire du vélo. L'été, il y a pas mal d'activités, laser game, parc aquatique sur l'eau, enfin tout ce qui est structure gonflable. Et puis il y a juste le plaisir de s'y promener, de profiter de la forêt, de la nature. Voilà, bon, on se retrouve sur les chemins. À bientôt.